jamais fait avant. Et si je n'y arrive pas? Et si je tombe? On peut descendre sur cette petite butte, ça sera plus facile. Je ressentais la même chose quand je skiais. Ah bon? Ouais! J'étais si excitée de skier pour la première fois. Mon père m'a dit de plutôt faire de la luge, car skier pour la première fois peut être difficile. Je ne voulais pas faire de la luge, mais skier. Viens ici, Caillou. Je vais te mettre tes skis. J'ai chaussé mes skis et j'étais impatient de commencer. Bon, Caillou, es-tu prêt? Maintenant, tu dois plier les genoux, mais garde le dos droit. C'est très important pour l'équilibre. Le ski est une question d'équilibre. Essaye d'abord d'aller en ligne droite. Bon maintenant, Caillou. Es-tu prêt? Un, deux, trois, vas-y! Je ne pouvais pas rester debout et suis tombée. J'avais tant attendu pour apprendre à skier. Mais ensuite, j'ai vu Mousseline et maman pas loin sur la pente. Elles faisaient de la luge. Je peux, papa? Bien sûr, Caillou. Tu apprendras à skier une autre fois. On peut commencer lentement. Eh bien, tu es enfin prêt, Caillou? Genoux pliés, épaules carrées, garde bien l'équilibre. C'est parti! Ça allait si vite, c'était super! Aussitôt arrivé en bas, j'ai couru en haut de la colline pour tout recommencer. Je n'ai pas perdu l'équilibre et j'étais bien meilleure. Tu vois, Clem, mon père avait raison. J'aurais dû commencer par la luge. Je n'étais pas prêt pour le ski, mais peut-être qu'avec l'expérience de la luge, je le serai l'année prochaine. Mon père dit toujours, ne jamais courir avant de savoir marcher. Essaye la petite pente et peut-être que tu pourras faire la grande bientôt. Caillou, Clem, attendez! Caillou s'amusait beaucoup à lancer des boules de neige dans le parc avec Mousseline. Attention, Mousseline, le voilà! Mais ces boules de neige se défaisaient. Pourquoi ça ne marche pas? Il voulait tellement faire une bataille de boules de neige. Mes boules de neige se cassent! Tu dois les serrer bien fort pour qu'elles se tiennent. Comme ça. Papa avait bien assemblé une boule de neige que Caillou voulait tester lui-même. Et si nous faisions autre chose avant de faire de maman un bonhomme de neige? Bonhomme de neige! Oh, je sais! Faisons un bonhomme de neige! Bonhomme de neige! Oh,
Oh, oh, je veux le faire avec un gros nez de carotte et des yeux de bouton. D'abord, faisons le corps du bonhomme de neige, Caillou. Toi et Mousseline entassez de la neige et papa et moi trouverons des bâtons pour les bras. Ouais! Caillou et Mousseline s'amusaient à entasser la neige pour leur bonhomme de neige. Beau travail, Caillou. Voyons maintenant pour faire une belle boule ronde. Caillou ne savait pas comment faire son bonhomme de neige bien arrondi. Mais il a eu une idée. Oh, je sais. Il faut tasser le neige, comme les boules de neige. Boule de neige! C'est ça. C'est comme de grosses boules de neige ronde. Grosses boules de neige! Notre bonhomme de neige est superbe! Caillou était très content du gros bonhomme de neige aux yeux de bouton et au nez de carotte. Attention! Soudain, une luge a heurté le bonhomme de neige. Oh non! Notre bonhomme de neige! C'était Léo! Caillou était triste que leur bonhomme de neige soit tombé, mais il était heureux de voir Léo. Oh! Et Caillou? Léo, que fais-tu ici? J'essaye ma nouvelle luge. Tu veux essayer? Sûr! Maman, papa, puis-je jouer un peu avec Léo? Bien sûr, Caillou! Mais sois prudent! Caillou était impatient d'essayer la luge de Léo. Alors, c'est très facile. Monte dessus et glisse jusqu'en bas. Sympa! La colline avait l'air haute et effrayante. Caillou n'était pas sûr de vouloir la descendre en luge. T'inquiète pas, Caillou. Si tu tombes, la neige est douce, ça ne fera pas mal. Regarde! Tu vois, ça ne fait pas mal du tout. Je ne sais pas, Léo. C'est loin en bas. Allez, allons-y ensemble. Attention, Caillou! C'était génial! Tu vois pas de mal! Mon bonhomme de neige! Caillou regrettait d'avoir renversé le bonhomme de neige. Désolée, Mousseline, d'avoir démoli ton bonhomme de neige. Je sais! On pourrait en faire un! Encore plus gros! Encore plus gros? Ouais! Et celui-ci, rien que pour toi! Ouais! Grand bonhomme de neige! Caillou a passé une excellente journée à jouer dans la neige et il était heureux d'être avec sa famille et Léo. Je suis impatient de jouer dans la neige encore. Ah! Bataille de boules de neige! Caillou et sa famille sont allés chercher un arbre de Noël dans une ferme forestière. Et alors celui-ci, papa? Il est si grand! Il est très grand, Caillou. Peut-être un peu trop grand pour le salon. Trouvons-en un peu plus petit. Oh, d'accord. Que penses-tu de ceci, Caillou? On va en trouver un tout beau et tout vert. Il sera très joli quand toi et Rosie l'aurez décoré. Je suppose. Hey, voudrais-tu choisir les décorations une fois l'arbre acheté? Oui, s'il te plaît, papa! Que pensez-vous de celui-ci? Arbre! Arbre! Rosie aime celui-ci, maman. Nous devrions le prendre. Bien! Je vais chercher de l'aide pour le mettre sur la voiture. Et papa et toi choisissez les dernières décorations.
Waouh ! Allons-y, papa ! Caillou a couru dans le magasin. Il y avait tellement de choses, il ne savait pas par où commencer. Oh, papa, je ne sais pas quoi choisir. Il y a tellement de décorations incroyables. Bien, il faut des guirlandes, des lumières et une étoile pour le haut de l'arbre. Prends ce que tu aimes et mets-le dans le panier. Rouge, bleu, or, argent. Papa, que penses-tu de or et rouge? Excellente idée! Elles iront bien avec l'arbre. Et les lumières? Il y en a des blanches, des colorées et des clignotantes. Les clignotantes de couleur, elles sont magnifiques! Mais certainement, Caillou! On a juste besoin d'une étoile pour le haut. Peux-tu voir où elles sont? Caillou savait à quoi ressemblait une étoile. Il a donc parcouru le magasin jusqu'en voir une. Ici, papa! Caillou! Il ne faut pas disparaître comme ça. Je sais que tu es excité, mais il faut rester en sécurité. Bien, papa. Je suis désolée. Pas de problème. Je ne veux pas que tu te perdes. Je viens de voir cette superbe étoile et je la veux pour l'arbre. Waouh, superbe! Prenons-la. Je suis sûre que maman et Rosie vont adorer. Prenons ceci et allons à la voiture. Un homme aimable a aidé maman et Rosie à attacher l'arbre sur le toit de la voiture. Caillou était ravi de montrer à maman et Rosie les décorations qu'il avait achetées avec son père. Maman, on a acheté toutes les décorations. Mais où est l'arbre? Dans ce sac sur la voiture, pour le protéger pendant le transport. Oh, wow! J'ai hâte de l'amener à la maison et de le décorer. On y va, là? Oui, Caillou, rentrons. Voudras-tu un chocolat chaud une fois arrivé à la maison? Oh oui, s'il te plaît, maman! Moi, je veux bien. Cacao! Et Rosie! Caillou était impatient que papa ait fini d'installer l'arbre. Il voulait le couvrir de toutes les jolies décorations qu'il avait achetées. Oups! Oh là là! Ça ira, Caillou? Oui, ça va... Oh! Gilbert, quel chat rigolo! Tu ne peux pas mettre les décorations? Attention aux boules! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous avez fait bien du désordre. Désolée, maman. Peut-on accrocher les décorations maintenant? Ça semble être une bonne idée. Caillou a aidé à placer les lumières colorées clignotantes autour de l'arbre, décorer avec des guirlandes et accrocher les ornements aux branches. Même Gilbert y a prêté la patte. Plus que l'étoile à la cime. Veux-tu l'accrocher, Caillou? Rosie devrait le faire. Quel bon grand frère tu es, Caillou! Wow! C'est superbe! Ça va être le meilleur Noël de ma vie! C'était la veille de Noël et Caillou rêvait de tous les merveilleux jouets qu'il recevrait le jour de Noël. Hé! Hey, c'est quoi ce bruit? Qu'y a-t-il, Gilbert? Hé, regarde! C'est le Père Noël! Allez, Gilbert!
Caillou a revêtu ses vêtements d'hiver et s'est précipité dehors dans la neige. Oh, oh, oh! Joyeux Noël! Père Noël! Bonjour, Caillou! Ouah! Vous savez mon nom? C'est mon chat, Gilbert. Vous êtes venu m'apporter mes cadeaux? C'est exact! Je suis ici pour ça, mais j'ai un petit problème. Le pauvre vieux Rudolph a oublié son foulard et a attrapé un rhume. Sans le nez de Rudolph, je ne vois pas où je vais. Ah, ce rythme, personne ne recevra leur cadeau de Noël. Oh, c'est terrible! Tiens, Rudolph, tu peux avoir mon écharpe. Mamie me l'a tricotée, elle est bien chaude. Hé, ça chatouille! Je pense avoir une idée. Peut-être que Gilbert et toi pourriez m'aider à livrer les cadeaux. Vraiment? Ça serait génial! Bien, donnez-moi un moment, j'ai juste ce qu'il faut. Voilà, Gilbert. Maintenant, tu peux nous éclairer la voie. Ok, Caillou. Monte à bord. Nous avons des cadeaux à livrer. Ça va être génial! Ho, ho, ho! Joyeux Noël! Tu fais un bon renne, Gilbert. Maintenant que tu nous éclaires la route, on va livrer les cadeaux en un rien de temps. Oh, on est si haut! Ok, Caillou, il est temps de livrer le premier cadeau. Dois-je faire? Je vais te montrer. Prends ma main, Caillou. T'es prêt? Prêt! Ho, ho, ho! Ouah! C'était magique! La magie de Noël. Merci de m'aider à livrer tous les cadeaux, Caillou. Je n'aurais pas pu le faire sans toi et Gilbert. C'était la meilleure veille de Noël de ma vie! Rudolph dit qu'il se sent bien mieux grâce à ton écharpe bien chaude. Joyeux Noël, Caillou!
Joyeux Noël, Gilbert! Ho, ho, ho! À l'année prochaine! Joyeux Noël, Père Noël! Joyeux Noël, Caillou! Maman, papa, vous ne devinerez jamais ce que nous avons fait hier soir! Nous sommes allés en traîneau avec le Père Noël! Cela a l'air d'un rêve de Noël excitant, Caillou! C'était pas un rêve, c'était vrai! Oui, bien sûr, Caillou! Descendons en bas voir tous les cadeaux que le Père Noël t'a apportés! Cadeaux!